l'écoute de la berceuse de Zelda. Ah, si ce n'est pas magnifique. Ah, ça fait du bien. Ça fait même beaucoup de bien. Oh. Ah, oui, tout à fait. La plus grosse énigme que je n'avais jamais résolue la première fois que j'ai joué. Oh, la galère que c'est. Bon, maintenant, j'ai compris le truc. Mais à l'époque, je me souviens, j'avais même demandé à ma mère de m'aider. Eh, vous vous rendez compte? Et à deux, on s'est cassé la tête. Et puis là, maintenant, nous sommes les esprits tutélaires de ces lieux. Guide-nous jusqu'à nos positions originelles. Si tu y parviens, nous te ferons pénétrer dans le sanctuaire. Ah, très bien. Alors, on va... Alors, c'est parti. Voilà. Alors, on ne bouge pas. Une petite seconde. Ouais, tout à fait, Thierry. On ne bouge pas. Alors, il y en a un qui veut m'écraser. C'est magnifique. Alors, attendez. Je vais essayer un truc. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que... Ah, si, c'est bon. Je pense que ça va être bon. Pas du tout, en fait. Merde, je suis bloqué. Ça y est, ça commence. Ô noble animal qui parle à notre cœur, que désires-tu de nous? Eh ben, réessayez, parce que là, je suis, comme qui dirait, très coincé. Oh là là, ça me rappelle encore de souvenirs, mais puta. Alors voilà. Je crois qu'on va plutôt le faire partir par là, celui-là. Ouais, ça a l'air mieux déjà. Ou pas. Ouais. Allez. Et bang! Ça vous fait du bien, les cocos? Allez, hop! Bon, déjà, il me suit. Alors, il va continuer à me suivre comme un toutou, celui-là. Alors là, on va les faire heurter un petit peu, là, pour le plaisir. Et avant de faire une bêtise, hop! Voilà, ça y est. Je commence à retrouver le truc. Ouais, je crois que là, on est bien parti. Ah, alors, on peut pas passer par là. Alors, on va faire ça. Attendez une seconde. Faut que je réfléchisse encore un peu. On va trouver une solution, les gars. On va trouver une solution. Pas de panique. On va y arriver. Il faudrait arriver à les coincer quelque part. Putain, mais je me souviens, je n'arrive pas à me concentrer assez pour retrouver la solution à cette énigme. Ah, c'est frustrant. Allez. Ah, ça y est, là je pense qu'on est bien là.
On va plutôt partir par là, si vous voulez mon avis. Ouais. Oui, ça y est. Oui. Oui, là, je crois qu'on est bon, là. On est bon. Youhou. Dans le mille. On a réussi. Ah là là. Ah, ça demande quand même un brin de réflexion, même après plusieurs années d'expérience sur ce jeu. Hein. Noble animal, tu nous as ramené en opposition d'harmonie. Nous allons donc te guider en la forêt sacrée. Ouais, bah non, en fait, je connais le chemin, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Oh, regardez. C'est le moment, les amis, c'est le moment. Regardez. Tadam! Excalibur, me voilà. Oh. Ouh. Ah oui, un truc qui m'a bien fait marrer, c'est dans Breath of the Wild cette fois, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru, oui, qu'il y aurait le retour d'un personnage que je n'avais plus vu depuis Skyward Sword, et qui a un rapport avec cette épée. Je ne vous en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas encore découvert ce moment. Et admirez notre Link qui brandit fièrement son épée. Avec la musique médiévale qui va avec. Et oui, il faut savoir... Ah oui. L'épée t'a reconnu comme digne de la porter. Ah, bah oui. Et oui. Notre Link est le nouveau élu de l'épée sacrée. En même temps, c'est ce qu'il faut savoir à propos de cette légende. C'est, enfin, je vais vous le dire après. Le fragment de magie qui t'empoisonnait. Ça n'a vraiment rien à voir avec la magie des ombres. Fais attention. Si tu le touches, tu te transformeras en loup. Cet objet est trop dangereux. Il faudrait mieux le faire disparaître à tout jamais. Un moment. Et si nous faisions le contraire? Avec ça, on pourrait te transformer en loup à volonté. Après tout, Xanto a fait tous ses efforts pour nous le remettre. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Si tu désires changer de forme, tu n'as qu'à me le demander. Avec ça, si tu me demandes de te téléporter depuis ta forme humaine, je m'occupe de tout pour t'envoyer à destination. Link, j'ai une faveur à te demander. Quelque part dans Hyrule se trouve le miroir des ombres. Tu ne veux pas m'aider à le trouver? Ah, encore ce miroir des ombres. Le miroir des ombres. C'est la seule chance que nous ayons pour retrouver Xanto. Ok. C'est comme tu le sens, Midona. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans Breath of the Wild avec son open world, c'est que c'est très guidé, Twilight Princess. Alors que dans Breath of the Wild, on peut faire un peu ce qu'on veut et essayer de trouver les solutions par nous-mêmes. Alors oui, un truc que je voulais quand même dire à propos d'Excalibur, c'est que ce qu'il faut savoir, même si beaucoup de gens le savent, c'est que le principe de élu de l'épée, celui que Link soit le seul à pouvoir retirer cette épée, c'est quand même, et même le nom Excalibur, c'est quand même tiré de l'époque médiévale du roi Arthur. Toutes ces légendes qui tournent autour du roi Arthur et sa célèbre épée Excalibur que lui seul a pu retirer de son socle. Eh ben, franchement, Miyamoto, le créateur de Zelda, enfin, si je ne me trompe pas, bien sûr, ben il s'est quand même bien inspiré de cette légende-là et sincèrement, je l'en remercie parce que cette légende-là, quand même, elle fait partie de l'histoire médiévale de France et ça, franchement, je lui dis chapeau, qu'il ait pensé à ça, il fallait quand même le faire. Hein. Voilà, donc je pense qu'on va... Ouais, je pense qu'on va arrêter l'épisode sur ce beau moment où on tourne autour de la Triforce, avec Excalibur en main, et prêt à aller découdre des monstres. Ouais, c'est ça. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, même si moi je sais que je suis malade comme pas possible. Alors n'hésitez pas à laisser de bons commentaires, enfin, bons commentaires, ça c'est vous qui décidez, mais au moins laissez des commentaires pour me laisser
pour que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas aussi à laisser des j'aime, parce que ça, c'est très important pour moi. C'est que s'il y a des gens qui regardent et qui, au bout du compte, je ne sais pas s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Donc, oui, j'aimerais vraiment bien que vous... C'est vraiment très important que vous laissiez des j'aime. Après, pour ce qui est de l'abonnement sur ma chaîne, ça, c'est une décision personnelle. Je vous y encourage, bien sûr, pour suivre l'actualité de mes vidéos, tout ça. Mais après, c'est la décision qui vous appartient. Même s'il n'y a vraiment aucune contrainte, il y a juste à dire abonner, et puis voilà. Et puis au pire, si jamais vous êtes mécontent de ce que je fais, ce que je n'espère pas vraiment, j'espère vraiment que ceux qui s'abonnent, ils aiment ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous désabonner si jamais. Mais ça me décevrait un petit peu, très honnêtement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et en tout cas, excellente journée à tous et à la prochaine. Ciao.